aujourd'hui, Tengue Tengue va tomber amoureux de moi. Et oui, je vais faire en sorte que le petit personnage qui danse devienne complètement fou de moi. Là, tu te dis, c'est impossible, Tengue Tengue n'aime pas les garçons. Mais pas tout à fait, puisque évidemment, pour que Tengue Tengue tombe amoureux de moi, il faut d'abord que je devienne une fille. Enfin, une fille entre guillemets. Regardez un peu, il y a ici une très belle robe rouge. Et puis là, on a aussi une petite perruque. Avec ces deux détails là, Tengue Tengue, c'est sûr, il va penser que je suis une fille. Et d'ailleurs, regardez, je suis habillée comme une fan de Tengue Tengue, puisque le vêtement préféré de Tengue Tengue, c'est évidemment un squelette. Regarde. C'est pourquoi je suis habillée exactement comme lui. Et j'ai d'ailleurs découvert que Tengue Tengue était déjà marié. Est-ce que toi tu le savais? Oui oui, je sais que c'est super choquant, mais regarde. T'as vu, il s'est marié à 11 ans. Non mais c'est incroyable. Mais on va voir s'il est vraiment fidèle. On va préparer un date extrêmement romantique. Ça va être incroyable. Et avant même que je mette ce déguisement de fille, on va tout d'abord décorer cette table pour la rendre la plus romantique possible. Allez, bah c'est parti. Et la première étape va être de celle de mettre une belle nappe. Une nappe parfaite pour un date romantique. Dis-moi de quelle couleur ça devrait être. Bleu? Non. Vert? Non. Peut-être rouge. Oh ouais, une nappe rouge, ça c'est pas mal, ouais. Pour un petit date romantique, je pense qu'il va carrément valider Tengue Tengue. Let's go, on va directement placer cette petite nappe rouge. Ok, c'est parti. Regardez-moi cette belle nappe rouge. Ok, bah les potes, c'est impeccable. Elle a été installée, mais maintenant, on a encore plein d'autres détails à rajouter. Parce que là, la table, elle fait un peu pitié en vrai. C'est parti pour décorer un peu cette table. Et regarde ce que j'ai pour la décoration. Ce sont des super belles roses. En plus, elles sentent super bon. C'est sûr que Tengue Tengue va les adorer. D'ailleurs, dans quelques instants, je vais l'appeler pour voir s'il accepte mon rendez-vous amoureux. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Il est même possible que je fasse un bisou à Tengue Tengue. Bon, évidemment, en secret. Chut. Donc, reste jusqu'à la fin. Ensuite, pour la décoration, j'ai aussi ces belles pétales de roses. On en a des blanches et des rouges. Donc, c'est parti. On ouvre tout ça et on va en mettre un petit peu. Regardez les potes. Voilà des belles pétales. Là, la table est absolument magnifique, j'adore. On a décoré maintenant la table, mais c'est pas fini. Regardez ce qu'il y a aussi dans ce paquet, vous allez voir. On a aussi des super bougies en forme de cœur. Alors, ce sera pas allumé tout de suite, on les allumera au bon moment, mais on va déjà en placer quelques-unes. Ça y est les potes, la table a bien avancé, j'ai rajouté plein de détails différents. On a devant les super jolis cœurs, ouais c'est vrai qu'ils sont absolument magnifiques, les pétales, les petites bougies, les petite rose. Et maintenant, il est temps de passer au dressing de la table. Bon, Tengue Tengue, ou moi, je serai là. On sera nous deux positionnés ici. Hop, on va mettre les couverts, le couteau, la fourchette. Et d'ailleurs, j'ai pris des jolis couverts en or, les potes. C'est incroyable. Maintenant, je vais ramener des verres. Mais pas des verres n'importe comment. Des verres tout simplement magnifiques. Voici les verres. Regardez là, on a des petits cœurs sur les verres avec des diamants. Eh, les potes, comme je te dis, pour le date avec Tengue Tengue, j'ai vraiment pas fait les choses à moitié. C'est parti, hop, on met les deux petits verres par ici, impeccable. Et puis tu sais quoi, avant qu'on passe à la suite de ce date, il est maintenant temps qu'on appelle Tengue Tengue. Bah oui, il faut savoir est-ce qu'il va venir chez moi ou non. Allez, c'est parti. Ça y est les potes, je suis en train de joindre Tengue Tengue. Il va bientôt décrocher. Il faut que j'essaye de trouver une voix un peu de fille pour lui parler. Ok, oh, ça y est, les potes, je crois qu'il a décroché. Attendez, écoutons si c'est vraiment sa voix. Allô, salut, ça va? Les potes, il y a Tengue Tengue au bout du téléphone. Ok, bon, c'est parti. Il faut que je lui dise de venir dans 10 minutes chez moi pour le repas. Ok, c'est parti. Allô, Tengue Tengue, c'est ta copine, tu te rappelles? Celle que tu as demandé en mariage. Tu te rappelles bien d'elle, non? Ah oui, ma femme. Tu parles de celle que j'ai mariée, oui. Vas-y, bah, je vais venir dans 10 minutes, donne-moi l'adresse. Les potes, Tengue Tengue a accepté sans broncher. Bon, il faut que je lui envoie l'adresse tout de suite. Allez, c'est parti, voilà, je lui écris l'adresse. Parfait, j'ai maintenant écrit l'adresse à Tengue Tengue. J'espère vraiment qu'il va venir. Bon, à tout à l'heure, Tengue Tengue. Oui, je me prépare là. On se voit dans quelques minutes, chérie. What? Il m'a carrément appelé chérie. Ok, bon, allez, c'est parti, je raccroche. Les potes, Tengue Tengue a vraiment cru que j'étais sa copine ou quoi? Ça commence à être bizarre. Bon, en tout cas, maintenant que l'appel est passé et que Tengue Tengue
Tengue arrive dans quelques instants. Il est vite temps qu'on finisse toutes les préparations. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va commencer par mettre cette belle jupe rouge. Let's go. Et franchement, elle a carrément la classe. On va tout de suite l'enfiler pour me faire passer pour une fille. Et pour ce qui est des cheveux, je les mettrai au dernier moment. Donc si tu veux me voir avec des jolis cheveux longs de princesse, reste jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, on met la jupe. Hop. Ok, là c'est beaucoup mieux. Petite jupe rouge, c'est vraiment la classe. Là, si je suis pas la copine de Tengue Tengue, je comprends pas. J'ai mis son haut de squelette, une petite jupe rouge, et tu verras qu'avec la perruque, ça sera incroyable. Avant que Tengue Tengue n'arrive, on va regarder un peu ses derniers TikTok, voir qu'est-ce qu'il propose, et surtout, est-ce qu'il va bien et tout. C'est parti. Ok, alors on a, comme on peut le voir, Tengue Tengue dans cette grotte. Oh, mais oui, je me rappelle, c'est la vidéo qui l'a carrément rendu célèbre. Et il l'a refait une nouvelle fois. Ok. Mais qu'est-ce qu'il mange dans ses feuilles de banane? Peut-être du riz, je sais pas. Bon, en tout cas, il a l'air de se régaler. Cette fois-ci, oh regardez, Tengue Tengue, mais what? On dirait qu'avec cette pierre, il fait comme si c'était un sniper. Il vise des gens. Oula, il va tirer dessus peut-être. Ok, bon, Tengue Tengue, je savais pas que c'était devenu un soldat, hein. Ok, cette fois-ci, on a Tengue Tengue avec sûrement un de ses amis, peut-être son grand cousin ou quoi. Mais en tout cas, il est en train de bien discuter. Et qu'est-ce qu'ils font là avec son cousin? Maintenant regardez ça, Tengue Tengue a un masque. Mais attendez, c'est quel animal ça au juste? On dirait un masque de dragon. Mais il fait super peur son masque. Et en dessous c'est qui? Ah, mais c'est juste Tengue Tengue. Coucou. Ok, bon pourquoi pas. Oh, le mélange de Tengue Tengue et de Shrek fait en pâte à modeler. Attention, on va voir le résultat de cette magnifique transformation. Mais les potes, mais c'est incroyable, c'est carrément la moitié de Shrek et de Tengue Tengue. Mets une note sur 10 de comment tu trouves ce Tengue Tengue. Vraiment beaucoup trop stylé. Allez, cette fois-ci, oula, qu'est-ce qu'il fait Tengue Tengue? Il est en train de piquer un truc ou quoi? Et après, il se remet à sourire devant la caméra. Vraiment, il est trop mignon Tengue Tengue. Ok, cette fois-ci, oh, Tengue Tengue, je crois qu'il est carrément en appel. Oh mais oui, regardez, ce moment-là, c'est exactement moi tout à l'heure avec lui. T'as vu, quand j'étais en appel avec Tengue Tengue, il était comme ça. Oh là 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 là, c'est sûr que là, actuellement, il se prépare à venir. Bah oui, vous l'avez vu, il s'est préparé là maintenant. Et cette fois-ci, qu'est-ce que Tengue Tengue il fait? Je sens qu'il va danser comme un fou. Voilà, je te l'avais dit, il danse. Et là là là, les potes, c'est vraiment le meilleur danseur. Mets tout de suite une note sur 10 de comment tu trouves que Tengue Tengue danse. Cette fois-ci, Tengue Tengue est en train de marcher dans les buissons, ok. Je sais pas tout à fait où est-ce qu'il se rend, mais on va le suivre un petit peu. Ok, alors il s'est mis sur le caillou, ok, il s'est posé tout simplement. Bon, pourquoi pas après tout. Et oh, cette fois-ci, je crois que c'est un ami à Tengue Tengue, ok. Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière toutes ces branches? Attendez, on va... Oh, mais regardez ça, c'est les fleurs qui se rétractent. Ok, je crois que ça s'appelle les fougères. Et évidemment, quand on les touche, elles sont pas très contentes. Du coup, elles se referment. Et c'est Tengue Tengue qui fait encore ça. Et vraiment, Tengue Tengue, c'est un petit malin, celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tengue Tengue, regardez ça, il a mis la casquette et tout. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde sûrement dans son pantalon, ok. Il a enlevé la casquette, mais il va où, les potes? Où est-ce qu'il va comme ça? Ok, bon, je crois qu'il est juste en train de chanter, de se balader au final. Et là, Tengue Tengue est en train de faire du yoga. Il médite avant notre rencontre. Évidemment, c'est peut-être un moment un peu stressant, ce date, mais ça devrait bien se passer. En tout cas, il fait du super yoga. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, attendez, les potes, je crois qu'il est en train de manger. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Les potes, je crois qu'il y a quelque chose derrière Tengue Tengue. Ah non, ça va. Il se remet à sourire et il remange ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de manger. C'est peut-être une pomme ou quoi. Bon, en tout cas, maintenant qu'on a vu tous ces TikTok, il est temps de vite préparer le reste. D'ailleurs, les potes, je crois que je reçois de nouveau un appel. Mais c'est qui? C'est Tengue Tengue qui est en train de me rappeler. Non mais sérieux là? Je crois qu'il arrive dans 5 minutes. Il faut vite que les préparations soient finies. Allô Tengue Tengue, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au juste? Hé ma chérie, ma copine, j'arrive dans 5 minutes. J'espère que t'as bien préparé le repas. Oh là là là, oui oui, j'ai préparé le repas Tengue Tengue. Allez, à plus, à plus, à plus. Voilà, j'ai raccroché les potes. Bon, vite, il faut qu'on passe maintenant au repas. Et je vais tout de suite te montrer quelle va être l'entrée, la boisson, mais aussi le plat principal. C'est parti. Pour ce qui est de la boisson, voici celle que j'ai choisie. C'est un kinibule. C'est une sorte de champagne, mais pour enfants, comme du champomy. Évidemment, ça ne contient pas d'alcool. C'est parti.
On va mettre ça dans ce petit seau, voilà, qui permet de garder les bouteilles bien au frais. Ok, bon, là, c'est pas mal. Maintenant, il faut vite qu'on prépare le reste. Et regarde, dans cette assiette, il va y avoir l'entrée. À ton avis, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir dans cette assiette? Tu as 3 secondes pour répondre. 3, 2, 1... Si tu as répondu sushi, tu as carrément gagné. C'est exactement ça. Et oui, les potes, pour un dîner romantique, je pense que les sushis, c'est carrément parfait. Et dès maintenant, on va les placer sur cette ardoise en forme de cœur, à peu près comme ça. Bon, je vais essayer de faire du mieux possible. C'est parti. Ça y est les potes, l'assiette pour l'entrée est terminée. On a les sushis avec les petits pics, la petite sauce et tout. C'est incroyable. Pour ce qui est de l'entrée et de la boisson, on est parfait. On met ça tout de suite à table. Pour la partie repas avec Tenge Tenge, j'ai prévu, comme tu peux le voir, ces nuggets de poulet. Parce que rappelle-toi, quelle est la viande préférée de Tenge Tenge? Ouais, c'est ça, le poulet. Le temps que Tenge Tenge arrive et qu'on mange tranquillement nos sushis, on mettra ça à chauffer. Ça va prendre facile 10 minutes. Mais au cas où, on prépare déjà le bol ici là. On va mettre pas mal de sauce. Alors on va commencer avec la sauce barbecue. Voilà, let's go. Oula, elle a l'air d'être un peu consistante. Ça y est, on a mis la sauce barbecue. Ensuite, on va passer à cette sauce. On dirait une sorte de mayonnaise un peu traficotée. C'est parti, on met la mayonnaise. Let's go. Voilà, je mets tout de suite les nuggets au four. Et ensuite je vais te montrer le dessert final. Et le dessert, ça va être une dinguerie, tu vas voir. This is where I get water from. Oh les potes, Tenge Tenge va pas tarder à arriver. C'est parti pour préparer le dessert. Et pour un dessert bien romantique, pour conclure le mieux possible, quoi de mieux que ces super belles fraises? Oh ouais. Allez c'est parti, on met les fraises directement dans un petit bol. Regardez-moi comment elles sont belles, toutes rouges et tout. Oh là là. Ensuite, une fois qu'on aura mis les fraises, on mettra de la chantilly. Et c'est sûr et certain que ce date va être une réussite. Mets-moi une note de tous les repas qu'on a préparés. Franchement, c'est sûr que Tenge Tenge va valider. Voilà les potes, notre belle assiette de fraises est enfin prête. Ça a l'air incroyable. On va rajouter maintenant ce petit détail, la chantilly. Et ensuite, on laissera ça au frigo pour la surprise de Tenge Tenge. Mais d'ailleurs, j'en ai une aussi de surprise pour Tenge Tenge. Si le date se passe exactement comme je le souhaite et tout, regardez ce que je lui ai prévu. L'animal préféré de Tenge Tenge, rappelle-moi c'est qui? Le lapin, tout à fait, puisque tu le sais. Tenge Tenge adore danser comme ça, regardez. T'as vu un peu? Bon, du coup, voici ce que j'ai prévu à Tenge Tenge. Un super lapin en chocolat, mais uniquement si le date se passe bien. Oh, attendez les potes, je crois qu'il est en train de toquer. Vite, vite, vite. Ok, on finit les fraises, on finit les fraises. Voilà, parfait. On va rajouter le petit détail final. Un petit peu de chocolat aussi. Ok, bon, allez, c'est parti. J'ouvre tout de suite la porte. On ouvre tout de suite la porte, les potes. Let's go. What? Mais attendez les potes, normalement c'était à cette heure-ci que j'avais donné rendez-vous à Tenge Tenge. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Attendez, je reçois l'appel, il est où mon téléphone? Oh là là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est parti, on répond. Allô Tenge Tenge, dis-moi, que se passe-t-il? Allô ma copine, ma chérie d'amour, j'ai eu un problème, j'ai fait un grave accident de voiture. J'arriverai un peu plus tard au rendez-vous, bah commence à manger, je serai peut-être là pour le dessert. Non, quoi? Je vais devoir manger tout le début du repas tout seul. Bon, j'espère que Tenge Tenge sera vraiment là pour le dessert, mais ça me fait de la peine. J'espère que son accident n'est pas trop grave. Bon bah les potes, je vais devoir manger ce repas tout seul. Bah c'est parti quoi, on va aller s'attaquer au sushi et à la boisson. Avant qu'on goûte au sushi, on va d'abord tester cette super boisson. Let's go. Bon, je laisserai quand même un petit peu de tout à Tenge Tenge parce que sinon il va être super déçu de moi. Ok, c'est parti, on ouvre la boisson. Voilà, regardez. Et je vais te donner mon petit avis dessus. Ok, déjà la couleur, ça a l'air d'être du très très bon shampoing. C'est parti pour tester cette petite boisson. Ok, ça a un petit goût de pêche et tout. C'est pas mal. Un bon shampoing en mode iced tea quoi. C'est extrêmement bon. Bon allez, maintenant que j'ai goûté ça, il est temps de passer au sushi. Alors lesquels on va goûter? Bon, on va en tester un de chaque. On va tester celui-là d'abord. Hop, on va mettre un petit peu de sauce. Voilà, parfait. C'est parti. Ok. Les amis, c'est extrêmement bon. Il faut vraiment que je laisse à Tenge Tenge parce que là c'est incroyable. Attendez, je vais en goûter un deuxième. On va goûter celui-là. C'est parti, let's go. Mais pour l'instant les potes, je me régale. C'est vraiment dommage que Tenge Tenge ne soit pas là. Allez, c'est parti. C'est incroyable. Et je me dis que dans quelques instants il y aura plein de nuggets de poulet là-dedans. Allez, on en teste un petit dernier. Let's go. On met un peu de sauce. Et c'est parti, 3, 2, 1.
Incroyable. Je passe un moment incroyable avec ce superbe repas. Bon, je vais manger encore quelques sushis. Et ensuite, on passe au repas de consistance. Ah, les potes à la, on peut le dire. Je me suis carrément régalé. Bon, j'ai laissé encore quelques sushis à Tengue Tengue. Mais vraiment, pour le coup, et moi, j'ai mangé comme un ouf. Bon, allez, maintenant, il est temps de mettre l'entrée de côté. Et on va passer au plat de résistance, les nuggets. Ça tombe bien puisqu'elles sont là. Elles sont prêtes, regardez-les. Wow, ok. On est face à des nuggets assez incroyables. Bon bah, on va tout de suite en tester une. Est-ce que toi tu aimes les nuggets? C'est parti, allez, on va en goûter une pour voir. Let's go, allez, 1, 2, 3. Ok, c'est pas mal. Ouais. Connaissant Tengue Tengue en plus, vu comment il adore le poulet, il va adorer. Ouais, vraiment. Ces nuggets sont très 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 bonnes. La panière des nuggets est un petit peu différente, croquante, croustillante. Vraiment, c'est une totale réussite. 10 sur 10 pour ces nuggets. Bon, il est temps de passer au dessert. Les poulets étaient incroyables. Alors là, pour le coup, j'en ai laissé bien bien plus parce que Tengue Tengue, il est très très fan de poulet. Et maintenant, j'ai entre mes mains la cuillère pour... le dessert! Les fraises chantilly chocolat. C'est parti. On va tout de suite en tester une. C'est beaucoup trop bon. Dis-moi tout de suite dans les commentaires quel est à toi ton fruit préféré. Pour le coup, ces petites fraises à la chantilly là, c'est un régal. Bah écoutez, en attendant que Tengue Tengue arrive, moi je vais me manger quelques petites fraises. Vous avez entendu? Je crois que Tengue Tengue arrive. Bon, vous savez quoi? Je vais tout de suite prendre le cadeau que je vais offrir à Tengue Tengue, c'est-à-dire le lapin, et je vais ouvrir la porte. Let's go. Les potes, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Wow! Les gars, vous le voyez là? Il y a carrément Tengue Tengue. Vas-y, bah entre à la maison. Tengue Tengue, est-ce que tu aimes beaucoup ton petit cadeau que j'ai pour toi? C'est carrément un lapin en chocolat. Je le mets de côté et on va danser avec lui. Pour que je danse avec Tengue Tengue, tu as 3 secondes pour liker et t'abonner. 3, 2, 1. Allez, go, 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 go. T'as liké, tu t'es abonné. C'est parti. Tengue Tengue. Si tu as aimé ce petit date avec Tengue Tengue, abonne-toi, like cette vidéo et t'as dès maintenant 2 nouvelles vidéos. Une avec Tengue Tengue et là tu as ma dernière vidéo, clique tout de suite dessus et je te souhaite un bon visionnage.